L'année 2014 pour Mutandis a été une bonne année dans l'ensemble. C'est même franchement la meilleure année depuis que Mutandis existe, depuis 2009. Notre chiffre d'affaires a atteint 1650 millions de dirhams, 1 milliard 650 millions en dirhams, et c'est une progression de 11%. La progression a été tirée essentiellement par les détergents et les produits de la mer, qui ont connu une bonne année, l'automobile également, qui a connu une très bonne année, en forte progression par rapport à l'année précédente. Par contre, la fabrication de bouteilles pour boissons alimentaires, elle, a souffert d'une conjoncture un peu défavorable sur les boissons gazeuses au Maroc, où les ventes ont franchement reculé, et elle a souffert également d'une transition technologique s'agissant des bouchons. S'agissant des marges et de la rentabilité, notre excédent brut d'exploitation, qui est l'indicateur pour moi le plus important, l'excédent brut d'exploitation a atteint plus de 150 millions de dirhams, 156 millions, en hausse très forte de plus de 50%. C'était un petit peu moins de 100 millions en 2013, donc une hausse de plus de 50% en 2014. La rentabilité a progressé fortement, à nouveau grâce aux produits de la mer, qui ont fait une excellente année et qui bénéficient maintenant de l'intégration en amont qui se précise, de la fin de la courbe d'apprentissage sur l'intégration en amont et l'approvisionnement en poissons des usines du groupe, également des détergents qui atteignent maintenant la taille critique pour devenir rentables et significativement rentables suite à l'élargissement de leur flotte de distribution et de leur fonds de commerce sur le territoire national. Je voudrais aussi parler de l'automobile qui a réalisé une bonne année, une meilleure année, sa meilleure année depuis que Mutandis est présent dans cette activité, dans cette gamme de produits. Nos marges ont tenu et notre chiffre d'affaires a progressé. L'automobile a donc contribué, même si sa contribution n'est pas encore au niveau où nous le souhaitons, sa contribution n'est pas encore normale, normative et achevée. C'est toujours une activité qui pour nous est en développement fort et est en redressement et qui a encore un fort potentiel devant elle. Comme je le disais, les bouteilles alimentaires, elles ont reculé, la rentabilité a reculé à peu près comme le chiffre d'affaires. Enfin, le résultat net récurrent, qui est également un indicateur que nous utilisons à Mutandis, en tant qu'actionnaire et en tant que manager, en tant que gérant, en tant que dirigeant, le résultat net récurrent, c'est-à-dire le résultat net duquel on enlève les opérations à caractère ponctuel, extraordinaire, eh bien ce résultat a progressé de plus de 38%, puisqu'il atteint un peu plus de 50 millions net après impôts, contre environ 35 l'année précédente. La progression du résultat net récurrent eh bien, provient automatiquement de la hausse du chiffre d'affaires et de l'excédent brut d'exploitation. Cette progression aurait pu être bien plus importante encore si nous avions dégagé un résultat financier, une plus-value de cession exceptionnelle, comme nous l'avons dégagé l'année d'avant, en 2013. Notre portefeuille financier en 2014 n'a pas contribué comme en 2013. Donc globalement, une très bonne année dont nous sommes satisfaits dans tous les secteurs. Les bouteilles alimentaires doivent faire un effort en matière d'accélération de leur transition technologique et le reste des activités poursuivre sa croissance pour l'année 2015 et les années prochaines.